Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve pour le deuxième let's play sur Animal Crossing New Leaf. J'ai agrandi ma petite maison, donc normalement, après avoir vu Tortimer hier, je devrais avoir accès aujourd'hui à l'île d'Amiral. Et bon, on va pas attendre plus longtemps, on y va. Petit courrier du dimanche. C'est la notagida, on va pas aller loin. Non, je crois que ça va. Ah, il me reste encore mes trucs, j'avais oublié de les vendre hier. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Va aller voir à l'intérieur, hein, ce que ça donne. Alors voilà mon intérieur pour l'instant. Certes, il n'y a pas grand-chose. Mais après, j'ai pas joué non plus des dizaines d'heures. C'est quoi? Ah bah ça va aller en vente à la boutique. Mais j'ai un nouveau petit pull et une nouvelle jupette. Je vous propose un petit tour du village parce qu'il y a des nouveaux habitants. Ah oui, je vois qu'il y a encore une autre maison qui est arrivée en dessous de chez moi. Du coup, maintenant, on est 7. On va aller voir tout ça. Non! On va faire les pierres en même temps, du coup. Bon, tout ça pour rien. Un jour, je vous promets, j'arrêterai de mélanger les boutons, mais les boutons inversés, c'est vraiment compliqué, hein. Alors, je crois que c'est celui-ci le nouvel habitant. Sylvia, bah faudra voir qui c'est pour savoir son nom. Oui, ça c'est Octave, je suis vraiment pas fan. Je l'avais déjà sur ma dernière partie 3DS en plus. Bon, on va attendre qu'il parte. J'ai toujours pas atteint les 100% non plus au niveau de la mairie. Mais je prends vraiment mon temps, donc il n'y a vraiment pas d'urgence. Ce qui m'importait le plus au final, c'était en fait d'arriver à bah, avoir la possibilité d'aller sur les îles. Et ça, c'est cool. Est-ce que je vais tomber dans un piège? Parce que pour l'instant, tous les pièges, je suis tombée dedans. Comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas eu trop de suspense. Je ne les ai jamais vus. J'ai couru et je suis tombée dedans. Ah oui, ça décroche un petit peu, je suis désolée des fois. Hein. Ça, c'est pas une vraie pierre. Non. C'est vrai qu'il n'y en avait pas ici. Mais attends, il y a un trou à la place. C'est intéressant aussi, hein, dans l'idée. Alors, j'ai toujours pas d'arrosoir non plus. On ira voir du coup ce qu'il y a comme outil aujourd'hui à la boutique. Parce que j'ai pas d'arrosoir, j'ai pas de lance-pierre. Donc, c'est triste de laisser passer des ballons. On va juste faire notre petit tour. Heureusement, la map n'est pas grande, donc ça prend pas trop de temps. Il y a de plus en plus de chances que je me retrouve sur le rocher aux clochettes. Voilà. Autant sur New Horizon, je le fais plus trop, mais là, je vais en avoir besoin pour un petit moment, je pense. Parce que ne jouant pas des heures dessus, ben quelque part, c'est pas évident de gagner de l'argent. Bon après j'ai déjà remboursé la pièce pour l'agrandir, donc c'est déjà pas mal, hein. Ah, il me reste les deux là à encaisser. Où je peux ranger ma pelle. Bah non. Non, je ne peux pas ranger ma pelle. Il y a des fossiles à aller chercher les âmes. Ah bah voilà. Yes, j'ai le piège. Pour une fois, je ne tomberai pas dedans. Alors du coup, fossiles, j'en ai trouvé un, je crois, aujourd'hui. C'est tout, hein, pour l'instant.
Non, de toute façon, on peut avoir qu'un rocher avec une gemme par jour, je crois. Fossile, vous êtes caché où? Chez toi. Peut-être plus tard. J'ai pas le temps. Il faut que je creuse des trous n'importe où d'abord. Et après, je pourrai venir. Oh. Non mais sérieux, faut que j'arrête de creuser. Hein. Il faut vraiment que je range ma pelle parce que c'est l'enfer. Vous êtes petit fossile. Oups. Je pense qu'il m'en manque qu'un. Je sais plus si c'est 3 ou 4 sur celui-ci par jour. C'est peut-être 3, hein, parce que j'ai les 3 de la dernière fois. Ah bah non, c'est 4. C'est 4. Et on range la pelle comme ça, fini les bêtises. On va go au musée, en même temps on ira voir à la boutique. Ben, on va faire les boutiques en même temps avant de partir sur l'île. Alors j'ai ramené quelques poissons, quelques papillons et petits insectes au musée déjà. Maintenant que j'ai trouvé où il était. Allez, on va en premier voir Thibou. Nook, j'ai pas besoin de passer parce que j'ai rien fait dans ma maison. Bonjour, monsieur Thibou. Alors, fossile, tu en as pas mal là, mon petit père. Bon, à mon avis, on va pas en garder beaucoup pour nous à la vente, tant pis. Après, au début, c'est ça, il faut remplir le musée et après, vous pouvez enfin récupérer des sous. Oh oui, je vais te les donner. Alors. Il y en a. Ah, il y en a deux quand même. Je regarde ce que c'est en même temps, ouais. Il y en a deux qu'on peut garder. Ça, c'est cool. Ah, laisse-moi tranquille. Ah, je me trompe de bouton. Au secours. Pauvre Thibou. Allez, on gauche Emily. Croise les doigts pour avoir au moins soit le lance-pierre ou soit l'arrosoir. Oh, c'est pas vrai. J'ai déjà tout ça. Je m'en vais. En plus, t'es mélo et tu n'es pas gentil. Je sais qu'il faut que je lui fasse des achats, mais ça, j'achèterai les meubles entre après. On va aller chercher les petites sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand-chose. On va l'essayer quand même. Mais je vais le prendre, mais... Ouais, ça change. Essayer la robe, là. Ah, c'est le truc d'infirmière, ok. Bon, pas grave, on essaye. Ça va bien avec nos petits cheveux roses. Allez, on l'achète. On va aller checker à côté chez Ticket. Ma petite Ticket. Alors, c'est pas que je t'aime pas, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui m'intéresse. Au revoir, Nanette.
On va aller ranger les fringues et on va aller vendre le reste. Alors du coup, ici, cachet, là, j'ai planté mon arbre fruit parfait avec l'orange que j'ai eu le premier jour. Je me rappelle pas d'avoir déjà eu quand je jouais à l'époque sur DS, mais j'ai peut-être jamais fait attention en même temps. Alors ça, je range. Ça aussi. Ma pelle, je la remets là. Et c'est bon. On peut aller chez Risette. Elle me paraissait bizarre, les oranges de loin. J'irai toutes les cueillir après, mais ça je le ferai en off. Vous n'avez pas besoin de me voir ramasser toutes les... toutes les oranges pour me battre pour avoir un peu de sous. Ça, c'est 98 000 le prochain crédit et sans jouer vraiment beaucoup, ça va être compliqué. Ça oui, je voulais vendre. C'est tout! Oh! C'est horrible! Il n'y a pas de nouveaux objets. Oh, il y a un baby-foot! Il y a encore une plante verte. Si j'achète toutes les plantes vertes du monde... Allez, on la prend, crotte. J'aime bien, moi, les plantes vertes. On va la mettre à la maison. Et puis, on va pouvoir aller prendre le bateau. Bah, j'ai hâte de pouvoir changer de chaussures. Mais bon, on va devoir attendre un petit peu pour que Blaise arrive. Hein. J'ai que des plantes vertes dans ma maison. J'adore ça, j'y peux rien. Voilà, on remet la lampe. Ce serait pas mal d'avoir un sol aussi. Allez, on fait le go la plage. J'ai vraiment hâte d'y retourner en fait. C'est vraiment un endroit que j'adore. J'espère qu'on va pouvoir trouver des fruits pour les ramener et commencer un petit peu à en planter. Bon, je vais regarder juste s'il n'y a rien. Je sais pas si on peut avoir des objets ou des noix de coco aussi sur la plage. J'en suis là, il me semble. Hein. Vendrai les coquillages pareil après, ça c'est pas un souci. Non, il n'y a rien de spécial. Allez, j'ai pas vu s'il était là, Amiral. J'espère. Oui! Bonjour! C'est 1000 clochettes. Eh ben go! Go l'île tropicale! Allez, petites abous! C'est parti! J'adore! Je vous laisse savourer ce magnifique instant.
chantes beaucoup, mon petit père. Oups, j'ai essayé. A priori, on peut aussi passer. Oups. Oh, j'adore. J'avais oublié comme c'était chouette. Oh, on a le maillot de bain, c'est vrai. Donc c'est bien que la monnaie de l'île, je ne sais plus si les objets ici... Ah bah, j'ai pas de médaille. T'es choupette. C'est trop joli. Allez, on va dehors, on va faire un petit tour. Et on va aller faire une excursion si on peut. Je sais pas si on peut y aller le premier jour. Des bananes. Déjà, on pourra planter des bananes sur nos îles, sur ma plage, c'est cool. Je pense qu'on sera obligé de faire plusieurs voyages, par contre, hein, parce que... Rien que les bananes vont déjà prendre une place folle dans, dans mon inventaire. Je peux encore en prendre 4. Oh, c'est vrai qu'il y a des autres fruits. On a des citrons, je crois, ici. C'est cool. On va pouvoir changer les couleurs de notre île avec des nouveaux fruits. Moi, bon, je suis pleine. Oui, on a des citrons. Ça, c'est génial. C'est ici, je crois. Il faut que je pose mes affaires, hein. Ouais, c'est ça. C'est long. Non, on peut pas faire autrement. Bon, bah, c'est long. Ah, bah oui, mais si tu les échanges, Zabou, on est encore là l'année prochaine, hein. Allez, venez les bananes. Oh, il peut y avoir des requins, ce serait cool. Donc moi, je pense que je viendrai quand je jouerai en off ici pour essayer de gagner. C'est là que je vais essayer de faire mon argent. Je pense que c'est le plus simple. On va pas forcément pêcher aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien récupérer du coup... aller faire au moins une excursion pour avoir un deuxième, un troisième fruit peut-être. Alors, il me reste 2 places. On va aller se vider. Puis on va aller voir si on peut faire une excursion. Les fleurs, je peux les prendre aussi. Je sais plus. Ouais. Bon, j'en ai pas besoin, c'était un essai. Oh, regardez les buissons. Ils sont choux. Il va me rester du coup 10 places. Ouais, 10 places. Bon, on va aller voir. Ah bah non, celle-là, les excursions, je suis bête. Je ferais bien une... Mince, comment je dois faire? Ah non, c'est bon, je croyais qu'elle voulait y avoir autre chose, pardon. Ouais, je veux partir en... On va essayer de faire un truc avec les insectes. Alors. Cache-cache. On peut faire un cache-cache, c'est rigolo.
Plus en général, ça permet d'avoir des fruits, donc c'est intéressant. Donc on a dit, il me reste 10 cases. Donc c'est pas la peine que je pille tous les arbres du monde. Oh oui, il y a des fruits qu'on n'a pas. C'est cool. C'est des cerises? Peut-être pas. Hein. Alors j'ai combien de temps pour trouver les habitants? Il y a 4 animaux cachés sur l'île. J'ai 8 minutes. J'espère qu'on va réussir sinon la honte. J'en ai vu un juste à côté de nous déjà. Est-ce que je peux garder les insectes que je capturerai ici par exemple? Je sais plus du tout. Vous voyez, il y a plein d'agrias, alors... Je t'avais. On va essayer, mais j'ai un doute. Hein. Non, parce que je peux pas prendre mes outils. Ok, la réponse, on l'a. Hop, encore les fruits là. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve les derniers. Bon, ça va, il nous reste 7 minutes pour en trouver deux. Il y a des aigrias partout. Bonjour, petite Marina. C'est des trucs trop sympas. C'est vrai que ça, c'est dommage, ça manque. Hein. Les îles avec les mini-jeux. Après, on a d'autres choses sur New Horizons, mais je trouve que ça manque. Parce que quand vous avez envie de jouer, mais que vous savez pas trop quoi faire... Sur votre île, ben, vous pouvez toujours partir, faire un ou deux mini-jeux et c'est rigolo. Où as-tu caché? Ah, oh, je t'ai vu. On va aller checker un petit peu. On peut aller voir... Oh, le phare. On va aller checker les maisons des gens. On peut pas? Ah, crotte. Bon, on va aller chercher notre dernier qui est là-bas. Comme ça, on pourra repartir faire une autre excursion. Je t'avais vu, toi. Oui, c'était Gaston. C'est le premier que j'ai trouvé. Attends, il m'en manque qu'un. Alors, s'il y en a encore deux cachés, ça craint. Où tu es? Il était par là, non? Au secours. Je l'ai perdu. Oh non, non. C'est pas vrai. Mais il était là. C'était moins haut. Ah, j'aurais dû aller lui parler tout de suite. C'est pas possible. Où tu es? Tu es aveugle ou quoi? Ah, c'était là, ok. Ah, j'ai commencé à avoir peur, je dis qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors, combien on gagne de médailles en facile? 7, bon, c'est pas mal, hein? Ouais, elle est contente. Voilà, on peut ranger tout ce qu'on a récupéré. Avant de partir, moi, je me referais bien une petite excursion encore. On va refaire un carré, un cache-cache, j'aime trop. On découvrira les autres plus tard, mais là c'est rigolo.
Bon, c'est les mêmes fruits, du coup, pas de regret. Allez, c'est reparti pour un cache-cache. J'ai l'impression de bloquer sur quelque chose, mais il n'y a personne. Petit bug. Ils sont où, j'ai peur. Imaginez, je ne le trouve pas, la honte. Ah non, c'est des citrons ici. De toute façon, on en a, donc c'est bon. Je trouve personne. Au secours. Ah, salut! Oh! Petite Margot! Ah, là, il y a quelqu'un! Bon, on verra jamais sa tête, mais il y avait quelqu'un. On va passer de l'autre côté, du coup, hein. Ah, c'était le petit éléphant. Désolée, je fais des toutes petites coupes parce que bah allergie retour et du coup petits éternuements pas très agréables pour vous. Il m'en manque deux. Ah. Il est chouette le moulin. Dernier. Vas-y, on est passé 18 fois à côté. Oh, elle, on l'a trouvé, hein. Ouais, c'était l'éléphant. Margot, on avait trouvé. Ouvre bien tes yeux, Zabou! Tant facile en plus, la honte! Ça vous dit pas de bouger que je vous trouve, non? Ils sont où? Enfin, il est où? Ils peuvent pas être derrière les maisons. Non, mais là, on retourne sur les autres. Je vais repasser le pont et rechecker de l'autre côté. Alors, je suis désolée pour cette petite partie de cache-cache où il y a plein de coupes, mais les allergies ne veulent pas me laisser tranquille. Là, on l'avait vu, c'était bon. Il doit y avoir quelqu'un par là-bas. On n'a personne dans cet angle-là. Toute la partie-là, il n'y a personne. Il y a forcément quelqu'un caché quelque part. Bah ça, oui, c'est logique, Zaboumé. Mais... tellement d'arbres et de possibilités ici. J'ai peur, je crois qu'on va pas le trouver. Voilà, on a fait le lieu en dessous du petit lac sur la carte. Non.
Je trouve pas. Oh non. Je pourrais courir. Ça... Ah! T'as voilà. Pouf, j'ai peur. Bon, il nous restait 2 minutes 30. Hein, sérieux, j'ai vraiment un petit peu merdouillé. Merci, monsieur Tortimer. Et nous voilà de retour. Et bien du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Moi, je vais aller tranquillement planter mes petits arbres avec les nouveaux fruits. Et puis bon, on se donne rendez-vous très bientôt pour découvrir d'autres excursions, pour des petits travaux dans l'île, enfin plein de belles choses qui vont arriver. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.